quand on a vécu longtemps parmi les paysages étranges du Tibet, fréquenté quelques-uns des personnages étranges qui y habitent, on se sent porté à ne douter de rien, de ne douter de rien, et de douter de tout. Y a-t-il une réalité derrière les images que nous voyons, derrière le panorama du monde ? Ces réflexions philosophiques sont celles d'Alexandra David-Nel, écrivain et orientaliste, qui explora l'Asie au début du XXe siècle. À la fin des années 20, elle choisit Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, comme refuge entre deux expéditions. Elle s'y installe jusqu'en 1969, où elle s'éteint à l'âge de 101 ans, alors qu'elle vient tout juste de faire renouveler son passeport. Aujourd'hui, la maison est toujours habitée par Marie-Madeleine Perronnet, sa dernière secrétaire. Elle n'a jamais quitté Digne et se souvient de son arrivée rocambolesque dans la maison. Il y avait deux grosses armoires remplies d'objets que je ne connaissais pas. J'étais un peu étonnée, puis surtout qu'il y avait aussi un grand fil qui pendait devant moi avec une grosse araignée. Alors je regarde ça étonnée. Alors les Fernandes, là, qui étaient les bonnes chez Alexandra, elles me disent « Ah, vous savez, madame est bouddhiste, elle ne peut pas qu'on tue les araignées. » Elle est bouddhiste, ça m'aurait dit qu'elle a fait carabosse, je l'aurais cru aussi. Bon, mais encore, c'était rien. Enfin, on rentre et on ouvre la porte pour aller dans ce qui n'était pas du tout un petit temple de son vivant. Hein. Elle avait rassemblé là tout ce qui était la preuve de ses voyages et la preuve de la considération que tous ces grands pontes avaient eu pour elle en lui offrant. Alors, je regarde tout ça, puis j'étais quand même étonnée et impressionnée. Mais on a sa fierté, on ne veut pas le montrer. Alors, je lui dis, ben, c'est joli chez vous, madame. Mais je me retourne, il y avait le Chen Rizi, il a les pieds dans un lotus. Mais qui a plus la forme d'un artichaut, évidemment, à l'époque. Je me dis, comme elle est drôle, cette statue, madame. Mais pourquoi lui a-t-on mis les pieds dans un artichaut ? Elle a ri. Elle me dit, toi, tu seras ma consolation et ma joie. Dans la maison, baptisée par l'exploratrice Sam Tenzong, forteresse de la méditation, rien n'a changé. Au rez-de-chaussée, le temple tibétain est resté intact. À l'étage, la minuscule chambre qu'elle appelait son trou et le petit bureau où elle écrivait une grande partie de son œuvre littéraire semblent avoir été quittés hier. La maison d'Alexandra, elle est vraiment incarnée. Hein. Et puis, c'est très émouvant d'arriver dans sa chambre, dans son bureau, où elle vivait quand même avec cette sobriété heureuse, comme on l'appelle aujourd'hui. Et c'est vrai que dans sa maison, c'est très agréable de l'imaginer écrire, de l'imaginer allongée sur son lit, de l'imaginer étudier de jour comme de nuit, puisqu'il n'y avait pas d'heure, de pouvoir encore être un peu en pèlerinage dans ces lieux-là. Ça donne une grande profondeur aussi aux textes qui ont été écrits. C'est vrai que c'est un lieu qui lui ressemble, je trouve, dans ces montagnes. Et qui était son petit Himalaya, elle. Alexandra naît en 1868 de parents âgés. Entre cette mère mélancolique et puritaine et ce père austère qui l'aime sans savoir le lui montrer, elle grandit avec déjà l'envie de fuir. À 20 ans, elle est féministe, anarchiste et fréquente les milieux socialistes. Orgueilleuse et exaltée, elle prend pour devise « Marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux ». Elle part en Angleterre et contacte la société théosophique où se propagent les doctrines orientalistes. De retour en France, elle s'initie au sanskrit et au tibétain à la Sorbonne. Elle passe aussi de longues heures dans la bibliothèque du musée Guimet, dévore des centaines d'ouvrages et subit l'irrésistible appel de la spiritualité orientale. Dès qu'elle a découvert le bouddhisme, je pense qu'elle avait trouvé sa voie. Donc elle savait, dès une vingtaine d'années, quand elle est venue d'ailleurs au musée Guimet, où sa vocation est née, qu'elle serait orientaliste, mais orientaliste de terrain. Et après, il fallait combattre, il fallait mener une lutte par rapport aux orientalistes de salon, qu'elle critique beaucoup, pour devenir cette orientaliste de terrain et se faire un nom dans ce monde-là qui était très fermé encore aux femmes. En cette fin de 19e siècle où les femmes de la bourgeoisie ne pensent qu'à leur trousseau de mariage et à leur adultère mondain, Alexandra s'embarque pour l'Inde. Elle a 23 ans. Intrépide et téméraire, elle parcourt seule le pays pendant un an. À peine arrivée, elle inaugure sa méthode et son style, le voyage érudit. Elle fréquente les monastères, rencontre les sages et les lettrés, s'essaie à la méditation.
À son retour, pour gagner sa vie, elle accepte le rôle de Manon que lui confie Jules Massenet et obtient un contrat de cantatrice à l'opéra d'Hanoï. Elle chantera aussi sur les scènes d'Athènes et de Tunis, où elle rencontre Philippe Nel, ingénieur en chef des chemins de fer. Elle l'épouse en 1904, ce qu'elle regrette presque aussitôt. Je crois qu'on peut dire que c'est une histoire qui commence très mal, mais ça finit par la plus belle histoire d'amour qui soit. Il a voulu l'épouser pour la rabaisser, la mettre au rang d'une vulgaire maîtresse qu'il avait toujours eue. Mais il s'est trompé. Il a cru qu'il allait la mater. Elle, elle a cru qu'elle allait le mater. Vous savez, il y a une phrase dans la correspondance où il dit « Qu'est-ce que tu veux, mon pauvre ami ? Quand je te parlais philosophie, toi, tu me caressais les jambes. » J'ai toujours eu, écrira-t-elle plus tard, l'effroi des choses définitives. Il y en a qui ont peur de l'instable, moi j'ai la crainte contraire. Je n'aime pas que demain ressemble à aujourd'hui. La route ne me semble captivante que si j'ignore là où elle me conduit. Le 9 août 1911, Alexandra, toujours avide d'Orient et de périples lointains, annonce son départ à Philippe. Son voyage est prévu pour quelques semaines, mais elle ne reviendra que 14 ans plus tard. Elle a 43 ans et sa vie ne fait que commencer. Alexandra, elle a très vite montré que toutes les routes qu'on avait tracées pour elle, les a balayées en disant « Non mais moi, mon chemin, il est là. Même si vous me dites que c'est ça, moi je vais aller là et je partirai, j'irai vivre là-bas. » Elle a été une des grandes féministes de son temps à ouvrir la voie et de dire « L'obéissance, c'est la mort. Suivez votre chemin et être au plus près de sa vérité. » Quelques semaines avant sa mort, une équipe de télévision vient à Digne filmer Alexandra. Toute petite dans son grand fauteuil, elle répond avec aplomb aux questions qui lui sont posées. Madame, si vous avez voyagé, vous aviez bien une raison pour choisir l'Asie. J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionnée de façon à ce que je choisisse cela? Il ne faut jamais dire si j'avais été là, à cette époque-là et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait, parce que vous auriez été lui à ce moment-là. L'Asie s'est imposée, voilà tout. En 1911, la voici de retour en Inde. Dès lors, sans relâche, elle part sur les pas du Bouddha à la recherche d'elle-même. À dos de mule, à dos de yak, à pied ou à dos de porteur, elle enjambe les ponts, gravit les Himalayas. En 1912, elle obtient une entrevue avec le 13e Dalai Lama, première femme à recevoir une telle faveur. Elle en conçoit un certain orgueil. Elle se retire aussi dans un ermitage à 4000 mètres d'altitude pour étudier et méditer avec le Gomchem de Lachen, le moine le plus réputé du Sikkim. J'ai vécu en ermite sur le dernier versant des Himalayas. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. On me ravitaillait, non pas une fois seulement par an comme les ermites, mais deux fois. Au printemps, quand ma provision d'hiver touchait à sa fin, et en automne, lorsqu'on me fournissait de ma provision d'hiver. Parce que les vallées qui s'étendaient au-dessous de mon ermitage étaient entièrement bloquées par la neige pendant la moitié de l'année. Je pense qu'elle a vécu les plus belles années de sa vie dans sa grotte, lorsqu'elle suivait ses enseignements, parce qu'elle était en dehors du monde qu'elle détestait, devant un paysage magnifique. Elle n'avait qu'elle-même à penser, et elle était plongée sur les lieux mêmes de cet enseignement, et c'est ce qui lui apportait la paix intérieure. Et là, je pense qu'elle a découvert la paix intérieure qu'elle cherchait depuis son enfance. Tout au long de son voyage, Alexandra garde contact avec l'Occident à travers la correspondance assidue qu'elle et Philippe, restés en Europe, s'échangent. Ses écrits alimenteront l'essentiel de l'œuvre incomparable de celle que l'on appelle alors la Dame Lama. Ah là, c'est considérable. C'est toute la vie d'Alexandra dans cette correspondance qui dure 37 ans,
jusqu'à la mort de Philippe, et dans lesquels elle donne tous les détails des gens qu'elle a rencontrés, ses études, les difficultés d'argent. L'argent n'arrivait pas, on lui en a volé. Et elle donnait tellement tous les détails que même elle décrivait l'endroit où elle vivait, la chambre, etc. Elle faisait des petits dessins. Il était au courant de tout, de tout, de tout. En 1916, Alexandra a écrit à Philippe qu'elle ne repart pas seule du Sikkim. Elle a pris à son service Yong Den, un jeune Tibétain de 14 ans qui n'hésite pas à tout quitter pour suivre celle qui deviendra sa mère adoptive et son guide spirituel. Et elle cherchait d'abord un serviteur. Donc Alexandra avait besoin d'être servie, comme tous les Occidentaux qui séjournaient en Asie. Et puis, ce jeune homme étant quand même très intelligent et de bonne famille, il a suivi plus tard les mêmes enseignements qu'elle. Et très progressivement, il est devenu un collaborateur indispensable, parce qu'il était aussi devenu lama. Enfin, il avait suivi tous les enseignements, comme elle, et il était à sa disposition. Désormais, Alexandra n'a plus qu'une idée fixe, entrer à Lhasa, capitale interdite du Tibet. Elle s'installe au monastère de Kundun, aux portes du pays, et multiplie les tentatives. C'est à la sixième qu'elle y parviendra, déguisée en mendiante. Dans un buisson, Alexandra trouve un vieux bonnet crasseux. Yongden lui dit « Oh, mère, ne prenez pas ça, ça porte malheur. » Elle dit « T'inquiète pas. » Elle le met dans son sac à dos et elle arrive à Lhasa. Mais elle arrive à Lhasa avec sa coiffe de lambda du nord-est. Et tout le monde regardait cette femme, cette mendiante qui arrivait de si loin. À pied, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. À part les yaks. Et elle, quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté sa coiffe de lambda et elle s'est enfoncée le bonnet crasseux jusque-là. Et avec son chapelet, oh, moi, n'y pas de mes hommes, moi, n'y pas de mes hommes, elle en a dit des millions. Plus personne ne l'a regardée. Être habillée comme une Tibétaine et vivre sur les hauts plateaux tibétains au cœur de l'hiver pour marcher plus de 4000 km pour gagner la citadelle du Haut-Pays des Neiges qui ont fait fantasmer les explorateurs, les missionnaires, les mercenaires depuis toujours, c'était extraordinaire. Et puis Alexandra n'était pas forcément un grand gabarit, elle était toute petite et qui montrait qu'elle avait une force intérieure gigantesque, qui pouvait aller au-delà des forces physiques. Au-delà d'un parcours de plus de 3000 km, des mois d'errance à pied, Alexandra devient la première occidentale à pénétrer dans la cité interdite de Lhasa. Nous sommes en 1924, elle a 56 ans et le mythe de la femme aux semelles de vent est né. Son exploit fait la une des journaux occidentaux et rend l'exploratrice mondialement connue. Dès son retour en 1925, les éditeurs se précipitent pour obtenir la publication de son aventure. C'est la consécration. Son récit fait l'objet de son livre le plus célèbre, Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Dès sa sortie, Alexandra et Yongden enchaînent les conférences en France et en Europe. Mais le tourbillon médiatique déprime l'exploratrice. Je ne rêve qu'à me sauver, qu'à retrouver des montagnes, de l'air, du silence, écrira-t-elle plus tard. C'est à cette époque, alors qu'elle se trouve dans le sud de la France, qu'elle découvre sa villa de Digne dans les Alpes de Haute-Provence. C'est l'Himalaya pour les Lilliputiens, comme elle disait. Ces journalistes, vous avez choisi parce que ça vous rappelle l'Himalaya. Oui, l'Himalaya pour les Lilliputiens. Alexandra a enfin trouvé son home, une cahute sans luxe, mais sans bruit, tranquille, où elle peut travailler sans être dérangée. À peine installée, elle entreprend la rédaction de récits philosophiques qui lui tiennent à cœur, car elle n'a plus qu'un désir, transmettre la pensée bouddhiste à l'Occident. Pour elle, je crois que c'était son rôle de bouddhiste, puisque pour le bouddhisme, la première cause de souffrance, c'est l'ignorance. Donc elle a servi de pont, en fait, entre les disciplines orientales et l'Occident. Donc elle a apporté à l'Occident ce qu'elle avait appris elle-même. Et finalement, elle a eu vraiment raison, puisqu'elle a fait découvrir ce monde extraordinaire et elle a suscité un engouement extraordinaire pour l'Inde et le Tibet, qui étaient alors très, très mystérieux, très mal connus. Le bouddhisme du Bouddha, il se résume en trois choses. La permanence, la souffrance et le non-moi. C'est-à-dire, il n'y a pas une personnalité homogène
qui existe dans l'individu. Une personnalité, pour les bouddhistes, c'est un amalgame, une composition de différentes choses, des idées, des sensations, etc. Plongée dans ses travaux d'orientaliste, Alexandra travaille 16 heures par jour à s'en crever les yeux. À peine a-t-elle fini un livre qu'elle en commence un autre. Elle traduit aussi des livres tibétains imprimés sur des feuillets horizontaux qu'elle range ensuite entre deux planches de bois et dans leur étui de tissu. Pour se délasser, la grande marcheuse qu'elle est restée part régulièrement pour de petites excursions dans l'arrière-pays. Un hiver, elle va camper avec Gangden au lac Dalos, à plus de 2200 mètres d'altitude. Et alors, à lac Dalos, à l'époque, il y avait une espèce de petite maison où il y avait quelqu'un, un monsieur ou une dame, je ne sais pas, qui vendait des boîtes de conserve, des choses comme ça. Alors, Yongden, tous les matins, allait acheter à la boutique quelque chose pour le repas. Alors, un jour, la dame lui dit, « Mais vous comptez rester longtemps ici ? Parce que moi, maintenant, il n'y a plus personne, tout le monde est parti, il n'y a plus que vous, je ne reste que pour vous. » Alors il retourne au camp et il dit à Alexandra, il dit, voilà ce que m'a dit la dame. Elle dit, écoute, va là-bas, rachète-lui toutes tes conserves et qu'elle parte. Et nous, on se débrouillera. Et c'est ce qui s'est passé. La bonne femme, elle a vendu toutes ses conserves à Alexandra. Elle est partie, eux, ils sont restés, je ne sais pas combien de temps. Alexandra ne tient pas en place. Elle a 70 ans quand elle repart une nouvelle fois avec Yongden en Asie. Il débarque en Chine alors que la guerre civile fait rage. Le froid rigoureux, la famine et les épidémies qui sévissent, les bombardements meurtriers rendent leur voyage difficile. D'autant qu'en 1941, elle reçoit un télégramme lui annonçant la mort de Philippe Nel, auquel elle n'a jamais cessé d'écrire. Elle aura ces simples mots « J'ai perdu le meilleur des maris et mon seul ami ». En 1946, Alexandra pose définitivement ses valises à Digne. Dès son retour, la nostalgie l'étreint. Un autre défi l'attend, de taille celui-là, la sédentarité. Je crois que ça a été évidemment très pénible quand cette sédentarité s'est imposée à elle et qu'elle n'avait plus ces chemins de traverse possibles et de liberté qui étaient l'essence de son existence. Forcément, quand vos jambes vous lâchent, c'est un moment qui doit être difficile, qui doit être douloureux, mais qu'elle a appréhendé, j'imagine, avec beaucoup de sagesse, de tout ce pan de bouddhiste et de stoïcienne qu'elle était, et d'accepter ce que la vie lui donnait à vivre. Les voyages sont terminés, pas ceux de l'esprit. Et l'esprit est vif. Alexandra écrira pas moins de 9 livres en 10 ans. Des ouvrages qui relatent ses voyages et les théories des mystiques et des magiciens qu'elle a rencontrés. Mais en 1955, Alexandra est interrompue dans son travail. Yongden meurt subitement d'une crise d'urémie. L'irréductible Alexandra se retrouve seule et désemparée. Il l'a quand même servi pendant 41 ans. Il a consacré toute sa vie à Alexandra. Et donc, elle a perdu la seule personne qui pouvait la comprendre. Donc, la seule personne avec qui elle était en union, en union intellectuelle. C'est à la veille de ses 91 ans qu'elle rencontre Marie-Madeleine Perronnet. Plongée dans ce monde inconnu, la jeune femme, qui n'a alors que 29 ans et un certificat d'études en poche, doit très vite apprendre à assumer tous les rôles. Alors, au bout d'un moment, elle me dit, écoute, tu vas monter dans mes bibliothèques, tu vas prendre Astavak et Gita, la Bhagavad Gita, le Dhammapada. C'est la première fois que j'entendais ces mots. Je monte 3 escaliers... Bagada, je ne savais plus ce qu'il fallait chercher. Alors je descends, j'ai écouté, madame, moi, vous m'avez dit que j'aurais rien à faire chez vous, mais je veux bien vous aider, bien entendu, mais il faut m'écrire ces noms sur un papier. Quand j'ai vu qu'elle me regardait avec un air un peu qui ne me plaisait pas, et j'ai dit, maintenant, madame, si vous n'êtes pas contente, je veux partir tout de suite. Comme je la connais, elle va me dire, partez, j'étais ravie. Eh bien, pas du tout. Elle m'a dit, tu sais, j'avais marre de cette vieille, de ces vieilles, avec des gros ventres, qui disent, oui, madame, bien madame, j'avais envie d'avoir quelqu'un jeune et puis de dynamique auprès de moi. Elle a été ravie de ma réaction. Elle voulait une compagnie solide et joyeuse, elle l'a trouvée. La jeune femme qu'Alexandra surnomme Tortue depuis le jour où elles ont pris un bas de coton entortillé pour une tortue égarée, devient l'intendante de la maison.
Alexandra mange, dort et travaille à tout moment du jour et de la nuit, dans un fauteuil qu'elle ne quitte plus, même pour dormir. Marie-Madeleine doit se plier à son rythme, à ses cris d'impatience, à ses coups de sonnette et à ses brusques changements d'humeur. Alors quand je la couchais, elle avait des bouquins à côté d'elle, elle lisait, elle prenait des notes. C'est pareil que dans la journée, elle avait de temps en temps des dormitions, de temps en temps, comme ça, elle se reposait, puis elle redémarrait. Elle avait une force de caractère incroyable. Un jour, elle m'a dit, tu sais, comme tu as vécu avec moi, il y a certainement des journalistes ou n'importe qui vont te poser des questions. Qu'est-ce que tu diras sur moi? Si vous tenez à le savoir, madame, eh bien, je dirais que vous étiez un océan d'égoïsme et un Himalaya de despotisme. Elle se met sur son fauteuil. Ah, je sais que je peux compter sur toi pour dire la vérité. Ne me fais pas passer pour une vieille doucereuse gâteuse, hein. Les jours se suivent et se ressemblent. De son fauteuil, Alexandra suit les nouvelles du monde. Elle reçoit aussi beaucoup de visites, impromptues ou non. La plupart de ceux qui sonnent à sa porte sont des admirateurs de ses livres, des illuminés versés dans les pratiques spirituelles qu'elle décrit dans ses ouvrages. Il y a même une dame qui s'est présentée là, et qui m'a dit un jour, mais il y a de ça un peu longtemps, montrez-moi des actes de magie. Alors moi, j'ai pas bien compris ce qu'elle voulait entendre dans des actes de magie. Elle voulait peut-être que je m'élève jusqu'au plafond, des choses semblables. Mais c'est pas mon genre, ça. Une fois, j'ouvre la porte à un couple. Écoutez, c'était un sac d'os. On avait l'impression que sur leur mur, on allait entendre les oubliquets. Ils faisaient des jeûnes prolongés. Parce que pour atteindre la spiritualité, etc., il fallait faire des jeûnes. Voilà. Alors, des hippies, n'en parlons pas. Mais en 68, il y a les petits anarchistes qui sont venus la voir. Alors, quand ils sont rentrés, la première des choses qu'elle leur dit, « Vous venez me donner des leçons d'anarchisme ou vous venez en prendre ?» Elle dit, « Messieurs, sachez une chose, vous faites des barricades, vous cassez tout, que vous fassiez évoluer les mentalités, oui, mais pas de brutalité, on ne casse rien. Faire évoluer, d'accord. » Ils ne savaient plus quoi dire. Le 24 octobre 1968, Alexandra a 100 ans. Commence alors une série d'hommages qu'elle juge exténuants et impolis, puisqu'on lui rappelle sans cesse son grand âge. Quand la Monnaie de Paris décide de graver une médaille à son effigie, elle refuse de poser. Le sculpteur devra se débrouiller avec un modèle indiscipliné. En 1969, à la veille de ses 101 ans, désireuse de repartir, elle fait une nouvelle demande de passeport, mais elle s'éteint 18 jours avant de boucler ses valises. Un jour, j'arrive dans son bureau, elle me dit, Tortue, je vais mourir. Comme dit mon papa, ça se sent. Je vais mourir. Je dis, vous n'avez rien pour mourir. Si, mets-moi ma robe de nuit, fais-moi ma queue. Son chignon, je lui faisais une tresse. Fais-moi ma queue et mets-moi dans mon trou. Bon, je la déshabille, tout ça, je lui mets sa robe de nuit, je la mets dans son fauteuil et elle s'est laissée mourir. Elle ne voulait plus manger, plus rien du tout. J'essayais de l'alimenter un peu par des cafés au lait, des pamplemousses, non. Mais là, j'ai vécu un moment extraordinaire avec elle. Parce qu'à un moment donné, elle ne me reconnaissait pas. Et comme c'était une femme du meilleur monde, très bien élevée, elle croyait que j'étais une étrangère venue lui rendre visite. Alors elle s'obligeait à me parler, à entretenir la conversation. Et elle m'a parlé de moi à moi-même. Alors ça, je ne l'ai jamais dit à personne, je ne l'ai écrit nulle part, mais c'était formidable pour moi. À la mort d'Alexandra, Marie-Madeleine Perronnet transforme la maison en fondation et en musée. Sam Tentong devient un centre tibétain très actif, où le Dalai Lama séjournera à plusieurs reprises. Aujourd'hui, des moignes viennent à Digne prier dans le petit temple tibétain, rendant ainsi hommage au courage de celle qui, par son œuvre, a fait connaître le Tibet à l'Occident. C'est en Inde, à Bénarès, que Marie-Madeleine Perronnet a immergé dans le Gange les cendres d'Alexandra et de son fils adoptif, Yongden. Le fleuve sacré a refermé le livre de la longue vie d'Alexandra Davinelle.